Et salut tout le monde, c'est Jean Bloc et on se retrouve pour ce 34e épisode du Let's Play d'Horizon Zero Dawn. Et on est ici. Vous voyez, là où on a fait la garde tout à l'heure. Eux sont en train de nous chercher comme des teubés. J'avais ramassé là-bas. En bref. Ah oui, j'avais ramassé la popo. J'ai sauvegardé comme un teubé. Ah, au moins, ce sera déjà fait. Merde, merde. Ah, j'avais oublié ce... attends, ils sont plus que deux. Niveau 22. Alors vous voyez comme quoi Jean-Bloc a géré. Tout simplement, Jean-Bloc a géré. Je vous ai montré quelques petits fails sur le précédent épisode pour juste faire vous mettre, vous savez, un peu vous endormir. Et là, j'ai carry. Ça qui me touche. Ça, c'est le talent. Après... lance-feu. Ça me sert à quoi ça? Qu'est-ce que je fasse avec ça? Je vais le prendre, je vais le mettre à côté du... du monsieur. Voilà. Là, on va lui parler. Je vais te sortir de là. Moi qui croyais qu'il m'avait abandonné, je vais lui faire un gros câlin en revenant. Allez, par là! Je voulais voir si justement il y avait... Ah ça c'est toujours stylé hein. Ouais, faut que je récupère pas mal... pas mal de trucs de santé parce que je dois avouer qu'avec le précédent épisode c'était pas terrible. Kindiv m'a parlé de votre action. La cargaison est perdue? Non, elle est cachée pas loin. Il y a un paquet d'affamés à Brunand qui l'attendent avec impatience. Bien. Bon, écoute, quand tu rentreras à Méridian, va parler au noble Ravan. Dis-lui la vérité et il t'aidera. Implorer l'aide d'un Aristo, ben. Après ce que t'as fait, je vois pas comment refuser. Mais d'abord, il faut que j'aille à Brunand. Sois prudente. Ouais, moi je récupère. J'ai besoin de beaucoup de fleurs. Putain, je suis à 1000 pas. Ah. En fait, je suis en train de... C'est pas la bonne. Oh! Me dis pas que... Me dis pas que j'ai mon menace!
Ah, oh, monsieur de la peau. C'est quoi, hein? Raton laveur. Attends. Ouais, Ah, il y a beaucoup, là. De toute façon, je vais me TP, hein. Bon, j'ai la flemme d'aller faire tout le chemin. Bon, quoi. Donc là, je ramasse tout ce qui est... C'est quoi ça, là-bas? Ok, c'est des bêtes. Eh, mais j'ai toujours pas l'os, hein. Parce que... ouais, je m'en fous de la peau. Et royalement, hein. Alors, c'est quoi ici? Il a rien marqué? Ah oui, il faut que je revienne en arrière! Putain. C'est le problème, c'est que si je reviens, ici... Je pourrais plus, quoi. Ça, je sais pas c'est quoi. Parce que t'as la quête, là? La fin du créateur? Faudrait que je fasse ça, quoi. Voilà. Je pense que je vais suivre le chemin. Que voilà, il m'a dit qu'un petit truc là. Lumière est un truc juste là. Après, je vais essayer de continuer, on va voir. Eh. Ok. Crap, il y a tellement de trucs à aller faire. Il y a ça. Si je me mets ça comme objectif. Qui est à 300 mètres, soit dit en passant. En fait, il faudrait que je fasse le tour du canyon. Il y a un chemin. Ouais, bah... Mais je peux pas le faire, ce... Ok. On va suivre le chemin de... Ouais, si tu t'approches forcément des bêtes qui peuvent te faire du mal... Viens pas te plaindre. Très utile. Ben, j'ai toujours peur qu'ils veulent me défoncer. Putain, c'est vrai. Bon. On va suivre le chemin dans le canyon, hein. En espérant qu'il y a un truc pour grimper. Pour mourir. Non mais... Eh hey, mais le jeu me déteste, c'est pas possible. Les charognards. Il y a un camp de charognards ici, c'est pas possible. Ouais, la dernière fois que j'ai fait un truc comme ça, je me suis fait baiser. Je l'avais dit.
Non? Ok. Franchement, j'y ai vraiment cru. Hein. Des charognards, putain. C'est des niveaux 8, ça devrait être easy. Hein. Ouais, là, je suis très silencieux parce que... Attends. Il est où, le trôneur? D'accord, là-bas. Je sais pas pourquoi ça pue ça. Ah, dis-moi que c'est bon. Parce que ouais, j'attends ce truc-là depuis un moment. Ah bah enfin. On va se mettre là, c'est au cas où. Et normalement, j'ai une quête. Comme ça. Annexe. Tâche. Oh, je m'en fous de... Oh, je suis deg. Attendez, c'est quoi le truc là, le carré? Il y a un carré dans la, dans une direction là? Ok. De toute façon, ouais, là je pourrais l'activer celui-là. Apparemment, je vois que je peux grimper. Ah non, je peux pas grimper. De toute façon, il y en a un là. Et je voudrais faire ce truc là. Je garde ça pour la route. Ah ouais, moi je prends la masse, hein. Vous avez vu que tout à l'heure, c'était la merde. Hein. J'espère que ça va pas être trop risqué. Ouais, je... Je peux jamais être tranquille, moi. Attends. Eh mais... C'est une blague. Attends. Et on ose me dire... Et aussi ça. Ah, on ose me dire, ouais, il y a un... Il y a un feu de camp. Là.
En fait, quand je regarde dans ce... Je fais le camp. Non, je suis à l'opposé. Donc il est là-bas. Non mais j'aime bien. Je capte un autre signal. C'est génial, hein. Franchement, ouais, mais... Oh. Le signal vient de ce grand coup. Voilà, on va prendre celui-là. Niveau 23. Le problème, c'est... Je grimpe où? En fait, c'est le truc à 200 mètres, c'est ça? Je dois grimper jusqu'à la tête du grand coup. Et là, il y a tellement... Tellement de trucs que tu sais même pas comment faire pour pouvoir y aller. Il me découvre un feu de camp. Voilà. Ok. Comme ça, moi, je pourrais revenir ici. On va faire une petite sauvegarde manuelle ici. Hein. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de sauvegarde manuelle, donc j'aimerais bien sauvegarder. Je pense qu'on va pouvoir se faire le grand coup. Hein. Est-ce que je peux passer par là si le grand coup il est là? Monsieur Bidule. Ah, des hautes potes. Discrétion repassera. Le grand coup, je pourrais pas grimper depuis ici. Je pense que c'est vraiment là-bas. Vous voyez, là où il y a des monstres tout bizarres là-bas. Je suis tellement mal placé. C'est abusé. Hey, il y a des bestioles là, je sais pas c'est quoi. Il m'a fait peur. Jamais ça. Parce que le grand coup il passe par là, mais le point optimal apparemment c'est là-bas. Vous voyez? En fait, il te donne là où faut aller. C'est-à-dire ce point-là. Rien. Ouais, ça c'est le grand coup qui fait son chemin. Putain, il y a une zone ici. Ah, je fais ça, je fais cette zone parce que voilà. Au pire, pour reprendre la quête, je prendrai peut-être un TP. Hein. Oh non, quoique, je peux passer. J'ai réussi à passer discrètement depuis tout à l'heure, donc pouvoir continuer. Et le problème? C'est tellement pourri ici. Et regardez, le problème c'est que tous les moyens de passage sont mauvais. Ici, il va passer là. Il faut vraiment que j'aille là-bas, mais comment aller là-bas? Sans se faire démonter. Le problème, c'est que c'est impossible. On refait le max de flèches qu'on peut. Voilà. Voilà. Regardez, il passe à côté de moi. C'est ça qui est chiant.
Et... Tu fais que... Avec ses pattes, elle est aussi rapide que bruyante. Je dois rester sur mes gardes. Ok. Putain, je suis en train de me faire victimiser. Non mais sérieux, il est en train de clapser, il me fait encore chier quoi. Ah ben heureusement que j'avais pris de la vie hein. Du moins j'avais pris de quoi me soigner. Et franchement là, j'ai tellement galéré que ça mérite une sauvegarde rapide. Oui, le mec il est en mode sauvegarde rapide. Je vais faire le grand coup. Ah, c'est les... D'accord. Je me demandais c'était quoi le gros truc là-haut. Ah, quoique... Ouais, mais... C'est dommage qu'on peut pas grimper depuis les pattes. Franchement... Ah, ok. Vous voyez ce que c'est? Voilà. Problème. Est-ce que ici... Parce que là, il y a... Il y a un veilleur rouge. Je savais même pas que ça existait. Pourquoi il a un point d'interrogation, lui? Si je trouve le creuset d'où elles viennent, j'apprendrai à les pirater. D'accord, juste là, c'est peut-être mon bon plan. Allez, viens, petit. Salope. Oh non.
m'a énervé. Je pense que là-haut, ça devrait le faire. Oh ouais, mais non, mais si lui me cherche, je suis dans la merde. Qui c'est qui croyait ? Pas moi. T'es sérieux ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? On peut dire que j'ai de la chatte, moi. Ok. Le mec, il dit, ouais, j'ai de la chatte, moi, vous voyez. Et qui arrive pas à grimper ça. T'en arrives pas, quoi. C'est tellement facile à grimper. On peut passer par là. Tu vas me dire que je suis obligé de... Oh merde. Oh mais non, mais c'est une blague ça. Ah, m'a dit c'est l'endroit idéal, donc j'y crois. Hein. En espérant juste pas me faire choper. Ah, je fais le grand coup, Putain, le grand coup. J'arrive plus à parler. Et je me tire. Je prends la merde ici. D'accord, c'est de l'autre côté.
On peut dire que c'est stylé. Non. Angle de caméra de merde. Ça, elles sont pas comme les autres là. Il est vraiment différent par rapport aux autres. Voilà. Oula. La carte qui a du mal à charger. Voilà. Après, il reste le grand coup vers ici pour découvrir cette zone et le grand coup ici. On va voyager ici. Attends, non. Je préfère encore voyager ici. Ouais. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus proche de la zone. Et puis là, c'est vraiment où j'étais à peu près. Donc, autant descendre en rappel, ce serait plus simple. Donc ouais, parce que dans les précédents épisodes, j'avais dit, il faut que je monte tout en haut. Pour faire toutes les missions qui sont sur la ligne. Et après, je me téléporterai pour les valider. Donc. Pourquoi il veut pas? Ah, d'accord. On va sauvegarder ici. Voilà, je pense que c'est... Ah, en fait, c'est... C'est l'endroit où j'étais, quoi. Donc, j'ai sauvegardé. Il va falloir descendre, faire tout le chemin. Donc, j'aurai une sauvegarde là. Là, je pourrais aller. Il faudrait que j'aille faire le projecteur, là. Putain, cette zone, elle est sympa. Je pense qu'il y a une quête qui va m'emmener là, mais... Il faut que je monte jusqu'à là. Il y a aussi un truc là que je pourrais faire. Et il y a cette mission là. Vivement le DLC. Je sais pas où ce sera la zone du DLC. Mais ça pourrait être sympa. Enfin bref. Je pense que... On peut virer le grand coup. Je vire le marqueur sur le grand coup. Voilà. On va avoir vite fait les points de données. Parce que... Voilà. Ok. On va voir vite fait la progression. Je suis à 31%. Donc pour 18 heures de jeu. Un peu plus. Presque 19 heures. Donc. Ah! Oui. Je viens de le voir. Les compétences. Attaque par dessous. Ça pourrait être intéressant. Attaque puissante. Ah oui. Je pense que c'est ça qu'il me faut. Voilà. Et maintenant, on peut faire ça. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser ici. En tout cas, j'espère que ce 34e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir grâce aux commentaires, grâce aux likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode d'Horizon Zero Dawn. Ciao, bye bye.